Shalom, bonjour à tous. Je suis Joël Crasso. Je suis le responsable de l'ONG Espoir de vie. Voilà, Espoir de vie Guinée. Oh, Espoir de vie Guinée. Aussi le président fondateur de l'ONG Espoir de vie au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, je vous parle déjà depuis les locaux de l'ONG Espoir de vie Guinée. En cette date aujourd'hui du jeudi 6 mai 2019, 2020, autant pour moi, 2021, nous sommes dans les locaux du siège situé à Nzérékoré et précisément à Haute-Sud 2. Voilà, je reçois Deborah, comme d'habitude, et moi j'ai l'habitude de payer, si vous voulez, ma dîme. Voilà, je paie ma dîme aux orphelins, je les paye aux pasteurs. C'est comme ça que je vis. Voilà. Quand les gens pensent que les pasteurs ne payent pas la dîme, si, il faut toujours payer. Voilà, la dîme, nous devons la payer. Voilà, donc moi, je suis là, justement. Je fais cette vidéo en tant que responsable de cette ONG et motiver aussi d'autres personnes à le faire. Voilà, c'est juste un peu le but, voilà, de cette vidéo. Voilà, si vous pouvez le faire, faites-le. La Bible dit dans Jacques, le chapitre 1, le verset 27. La religion pure, sans tache devant Dieu, consiste à assister la veuve et l'orphelin, n'est-ce pas, dans son affliction, et à se préserver des yeux du monde. S'il vous plaît. Alors, donc, je suis. Voilà, donc, j'ai décidé, et comme d'habitude, je le fais. Hein, je le fais tout le temps. Voilà, je le fais tout le temps, et je vous motive à le faire. Voilà. Donc, on a décidé, j'ai décidé, voilà, de payer ma dîme, voilà, comme d'habitude. Voilà, ce petit-là, montez. Bah, Déborah, voici les couches de l'enfant. Donnez-lui ça. Voici les couches de l'enfant. Appelle le photographe. Et sa photo. Voilà, c'est pour 2 mois, parce qu'on dit ça 60 dedans. Si je dis 2 par jour, ça va faire 2 mois. Si tu dis 2 par jour, ça va faire 2 mois. Voilà. 2 couches par jour. Alors. Tu as une fois touché 1 million de francs guinéens? Have you touched 1 million francs guinéens for yourself? Moi, je paie ma dîme. Il faut compter 1 100 000 pour lui donner. Non, toi, prends l'enfant. C'est ma dîme. Il faut prendre 1 100 000. Payez vos dîmes, les gars. Nous, on paye nos dîmes. On n'aime pas la pauvreté. Si vous ne voyez pas vos dîmes, vous serez pauvres. Appelle le petit. Il va venir. Oh, appelle-le. Tiens, c'est combien? 500 000. Hein? 500 000. Alors, les 1 100 000 là, c'est ma dîme. Payer ton habit et l'habit de l'enfant. Il n'y a pas quoi aller manger dessus. Hein? Hein? Viens ici, avec l'enfant. Si vous pouvez aider les gens, aidez-les, c'est très important. Voilà. Monsieur,
Vous pouvez aider les gens. Ça, là, il faut bien l'utiliser. Il faut payer ton habit. Il faut payer les habits de l'enfant. Comme je disais, là, d'ici le mois prochain, tu vas travailler. Voilà. Maintenant, notre madim, là, ça serait maintenant fixé sur l'enfant. C'est plus toi. Voilà. Nous, maintenant, on va voir l'enfant. Dans quelques jours, tu vas travailler, on va trouver un travail pour toi. Tu vas, faut que tu travailles. Il faut que tu travailles pour pas que tu penses que moi, je vais toujours te donner l'argent. Ça, c'est moi, je paie ma dîme. Voilà, c'est le droit, c'est ce que la Bible me demande de payer constamment ma dîme. Et moi, j'aime payer ça aux veuves et les orphelins. Voilà, parle anglais. This morning, voilà, vas-y. This morning, it's not just to eat or to buy biscuits or anything. It's tithe. C'est la dîme, le dixième. It's give. My give. It's tithe, man. Ça dit, c'est ça, non? Il y a son nom. Oui, il y a son nom. Quand c'est tithe ou bien tithe. Oui, tithe. Il y a son nom. Okay. Tamna quoi? Hein? Tamna. Ça dit, il va plus fichero. Vous connaissez ça? La dîme. C'est ça. Ok. Ni kawakri ni soro. Tamna. Ça, c'est plus ça. This morning is I don't know what you call this one in English first. Quand j'ai l'argent, j'enlève. Ou Dieu. When you get money, why he can sacrifice? That's it look like a sacrifice. But when he gets money, he divides money 10 by 10 pieces. There's one or 10 pieces, the last one that he gave it to you. Well, I have to give. Moi, j'enlève toujours. Quand on me donne l'argent, moi-même, quand j'ai l'argent, j'enlève de côté. If Dieu. If he gets money anytime, he can take one type of money to God. Voilà. Give it to God. Demain, si tu travailles, faut penser, faut donner pour Dieu. To show you that when working tomorrow, you should mention him. Et cet argent là, je donne aux veuves. The rest money he can give to the people that lose their husband. Et aux enfants en difficulté. And offering in difficulty. And this money give it to you to not eat. Do not buy something what you want. What baby? Just to buy your clothes for you and your baby. Alors aujourd'hui, je te donnais ça officiellement devant toi. In 1 month from now, c'est la dernière fois que je donne l'argent pour toi. That is the last time to give you money. Mais je te donne le travail. I'll give you job. La prochaine fois, si je vais faire, je vais donner à l'enfant. Last time, if you see me giving you money, it's not because of you. It's because of child. D'accord. You understand? Voilà. Donc ce mois-ci, c'est pour toi. This time, this last one is for you. C'est mon habitude, j'ai l'habitude de faire ça. Just as his well. Voilà, j'ai l'habitude de faire ça. Il faut aller t'habiller, payer habit, payer ton savon, payer tes pâtes dentifrices. On a payé les couches. Pour dire qu'il n'y a pas de couches, il n'y a pas de couches. Pour voilà, you. Tout ça. Manage, par jour, c'est 2-2. On a payé tout pour payer. Ça va faire 2 mois. This one will give me 1 month. Or two will give you 2 months. By taking 2-2. When you add it, you're not making too much. Ça va, petit? Si tu grandis, il faut payer ta dîme. T'as compris? T'as compris? Le voici ici. Faut qu'il paye sa dîme, les gars. On t'attend sur... Il faut que tu sois ministre des économies et des finances. Alors, tiens. On va voir si le chauffeur peut aller te donner au marché. Mais il ne faut pas aller manger biscuits. Non, pas biscuits. Il ne faut pas aller payer. Il faut aller t'habiller. Voilà. Tu as vu que nous, on peut plus, on va pas aller te donner le riz. Tu vois, tu dois prendre ça. Il faut aller payer le riz. Il faut aller payer tes propres habits. Il faut payer aussi les habits de l'enfant. On veut te rendre responsable. D'accord? So she managed you this morning, bath food for you and some clothes and clothes for baby. Moi j'ai l'habitude de faire. Tout ce que tu vois que je fais comme don là, c'est dîme, c'est le don, c'est la dîme que je mets de côté et je t'amène. Comme ce mois-ci, le début du mois. Au lieu sur le 6, normalement moi je fais mes dettes. Je peux plus prendre le sac de riz pour t'envoyer. C'est pour ça que je te donne la dîme, une partie de ma dîme. C'est une partie de ma dîme. He decide for you to give this money. Vendredi, on reçoit les veuves, on va leur donner, je vais leur donner aussi. Il y a les veuves aussi de blé. C'est comme ça, c'est mon secret. Voilà, parce que Dieu, je veux être ami avec lui, et il veut qu'il soit aussi ami avec moi. Donc, je ne m'amuse pas avec ma dîme et mes offrandes. Voilà, donc si vous avez l'habitude, faites-le. Voilà,
Celui qui n'aime, la Bible dit celui qui donne l'impôt prête à l'Éternel. Celui qui donne. Les gens, ils veulent prier dans le combat l'esprit de pauvreté. L'esprit de, tu comprends l'esprit de pauvreté comment? Et puis tu es radin. Tu comprends l'esprit de pauvreté. La Bible dit que celui qui donne l'impôt prête à l'Éternel. Si vous voulez avoir, c'est de payer vos dix, vos offrandes. Et surtout, il ne faut pas négliger l'orphelin et la veuve. C'est biblique. Voilà. Et ça, c'est Salomon qui disait ça. Voilà, il y a des choses, des secrets. Il y a des gens, ils sont pauvres, quand ils les regardent, leur manière de marcher, tu sais que lui, il n'est pas loin de la sorcellerie. Ben, il passe seul dans la rue. Voilà, donc, quand vous voulez, il faut donner la dîme et les offrandes. Voilà, donner la dîme et les offrandes. Et la vraie religion, la religion, celui qui dit les chrétiens, ou bien il prie Dieu, il est croyant, et qu'il ne fait pas cette pratique, il ne donne pas la dîme et les offrandes. Il ne donne pas la dîme et les offrandes. Il ne paye pas aussi, il ne soutient pas la veuve et les... Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais c'est des gens qui sont spécialisés à dans la destruction. Vous parlez mal aux gens, vous cherchez à détruire. Il faut construire la vie des gens. Il faut construire la vie des gens. Il faut aider les gens au maximum possible. On ne fait pas cette vidéo. Joël Crasso ne fait pas cette vidéo pour me faire voir. Je veux que mon exemple soit copié. Voilà, copié. Voilà, parce qu'on est quelque part, peut-être un modèle où les gens nous suivent. Il faut leur apprendre, n'est-ce pas, ce droit spirituel, en fait, le devoir spirituel. Voilà, c'est un devoir spirituel, de telle sorte que quand vous avez, mettez de côté vos dîmes, donnez ça aux veuves. Moi, je le fais. Je perce aux pasteurs, je perce aux veuves, je perce aux orphelins. Voilà, parce que c'est un principe. Dans Malachie, c'est un principe. Voilà, donc soyez bénis. L'ONG Espoir de Vie reçoit ce samedi-là dans ses locaux les veuves. Nous avons 200 veuves que nous encadrons ici à Zéro Corée. Il y a 100 femmes musulmanes et 100 femmes chrétiennes que nous allons recevoir. Et après ça, dans la soirée, nous serons avec les veuves d'Espoir de Vie. Voilà. Et très bientôt, nous allons monter nos activités au sein à nouveau d'ici. Voilà, très bientôt, nos champs d'aubergine, tout ça, nous allons démarrer. Voilà, vous voyez la tomate, vous voyez ça, c'est l'or rouge. Voilà, nous allons démontrer en 3 mois comment on peut se faire de l'argent à partir de avec l'or. Très bientôt, nous allons ouvrir un restaurant et nous allons aider nos jeunes sœurs. Et la jeune fille, nos jeunes sœurs, elle va travailler là-bas. Bientôt, Baruch ouvre un restaurant. Très bientôt, il y a Baruch Hashem Restaurant. Regardez seulement, nous sommes en train d'aider, nous créons. Parce que l'ONG, c'est pas nous allons créer des choses pour s'auto-suffire financièrement. Nous n'allons pas toujours tendre la main aux gens. Nous allons créer nos activités. D'ici la semaine prochaine, nous ouvrons le restaurant. Ce restaurant-là va permettre de subventionner, aider nos projets. Et nous allons aussi, la semaine qui suit encore, nous allons attaquer 4 projets. Voilà, de telle sorte qu'ici, en Guinée, nous avons des projets qui vont nous aider, n'est-ce pas, à subventionner et à financer nos projets. Nous n'entendons rien. Nous n'allons pas toujours entendre tendre la main aux gens. Voilà, nous allons nous-mêmes créer des choses sur place et subventionner. Et donc, j'interpelle chaque Africain. Comprenez cette chose. Sortez de la politique. Je vous dis, sortez de la politique. Parce que la politique, c'est un système déjà en place. Et vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien contre ça. Cette grande délinquance et cette la voyousie des grands chemins. Les gens, ils ont déjà partagé l'Afrique. C'est eux qui nous ont donné un nom. Ce sont qui ont donné un nom. Ils disent Guinée. Ils disent la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont donné un nom. Alors, quand les gens disent que c'est les Blancs qui font qu'on ne devient pas riche, vous mentez. Les Blancs, vous voyez là, ils aiment les gens qui travaillent. Laissons la politique aux politiciens. Il faut que l'Ivoirien travaille. Il faut que le Guinéen travaille. Les Japonais bavardaient beaucoup. Vous comprenez, ils bavardaient beaucoup. On les a bombardés. Toutefois, où il y a la politique, où on crie beaucoup, là, où il y a les tueries qui sont là-bas. Mais quand on les a bombardés, ils sont allés travailler. Ils sont ceux qui fabriquent aujourd'hui Nissan. Ils sont ceux qui fabriquent aujourd'hui qu'on appelle Toyota. Les Chinois n'y en bord, donc on bavarde beaucoup, on tue. Donc les Chinois se sont tués, ils ont commencé à travailler. Ils sont les puissants aujourd'hui. Si le peuple africain travaille, ils sont les puissants. Allons-y à l'école et valorisons nos terres. Nous avons la meilleure terre au monde. Travaillons. Sortons de la politique. Laissons la politique. Que vous voulez ou pas, les Occidentaux, vous voyez là, ce sont eux qui certifient. Donc eux, ils mettent ce qui peut les arranger et protéger leurs intérêts. Ils sont indépendants depuis deux siècles. Et nous, c'est bientôt, c'est maintenant là, ça ne va même pas un siècle. Donc, on ne peut rien contre eux. Nous ne pouvons rien contre ce système. Et j'interpelle chaque enfant africain, jeune africain, le travail. Allons-y, valorisons nos terres. Et demain, ça va nous porter. Si vous êtes riche, vous travaillez, la terre ne trompe jamais. Si vous travaillez aujourd'hui, vous allez comprendre que la terre va vous payer. Travaillons. Travaillons comme les Chinois. Ils sont partis de quelque part. Si nous travaillons beaucoup de choses. Mais encore, si vous travaillez, soyez connecté avec le ciel. Parce qu'à partir de la dîme, c'est ce que vous donnez.
n'est-ce pas, aux pauvres et aux orphelins, aux veuves, bien sûr, vous allez voir Dieu vous bénir. Alors, Shalom, je suis le président fondateur de l'ONG Espoir de Vie. Voilà, je suis en Guinée en train d'installer, très bientôt sur le Sénégal, n'est-ce pas, en train d'installer beaucoup de choses. J'ai 45 pays africains à visiter. Je vais changer, Dieu va m'étudier. Enfin, on veut que l'Afrique change. La mentalité africaine doit changer. Changeons de mentalité, valorisons, aimons l'Afrique, aimons travailler. Il n'y a rien de l'autre côté. Il n'y a que ce continent qu'on appelle l'Afrique que nous devons valoriser. On est ensemble. Soyez bénis. Oh. Alors, ça va bien? Oui. Voilà, ça va, l'enfant. Voilà, nous sommes dans nos locaux ici. Voilà, ça c'est... Voilà. Il faut chercher à payer tes habits et aider l'enfant.